toute seule. Cher journal, tu es mon meilleur ami. Et un docteur qui vient souvent me voir. Lui, il me dit que Rapture a besoin de moi et que je vais partir avec lui demain. J'ai demandé pourquoi, mais il ne dit rien. Il sourit. Je ne suis pas orpheline. Maman est quelque part en vie. Et Tante Gracie est sûrement à ma recherche. Mais je peux pas les attendre. Je vais m'enfuir et retrouver Amir. Et on va voler un sous-marin. Avant demain, je verrai le vrai soleil. Tu m'as cramé la cervelle! Je vais tout oublier maintenant! Étourdissez vos ennemis encore plus longtemps. Une fois chargé, l'arc électrique crée une chaîne d'éclairs. Ça chauffe par ici. Chargez l'incinération pour créer une explosion.
âmes se mêleront dans son sang. Et tous, nous renaîtrons sous la forme d'un corps unique et immaculé. Avant l'avènement de l'Adam, l'animal humain était esclave de ses gènes, le tyran intérieur. L'obsession de soi est ancrée dans notre ADN et s'exprime par la luxure, l'avarice et la colère. Plutôt que de tirer la grande chaîne du progrès comme le pensait Ryan, nous l'avons laissé nous asservir. Mais aujourd'hui, en théorie, nous sommes capables de modifier le génome humain. Servir notre prochain plutôt que nous-mêmes peut enfin devenir aussi naturel que la respiration. Le tyran, à la fin, simplement décédera. Ryan nous a abandonnés dans l'épave du passé. Sophia Lamb, elle, nous montre que nous ne sommes pas seuls. Qu'ensemble, nous formons une famille. De ce fait, si vous croisez un homme à terre, tendez-lui la main et relevez-le, car il est votre frère. Sophia Lamb nous apprend que ce que nous avons en commun, c'est le bien commun. Ce qui est indivisible et ce qui est juste. Elle nous guide vers cet indivisible, là où les rivières de lait, de miel et d'Adam coulent infiniment. La fille de Rapture, Eleanor, sera notre vaisseau sur ces eaux. En elle, nous renaîtrons. Le démon est parmi nous, mes frères. Sa peau est de métal, et ses mains sèment la mort. Il veut nous dérober l'enfant, et avec elle, le paradis. Zélote ou Séraphin, sur terre comme au ciel, tous, levez-vous contre la bête, et renvoyez-la brûler dans les flammes de l'enfer. Voilà, docteur. Je suis venu. Mais je ne vois pas en quoi porter ce papillon signifie que je suis heureuse.
Grace, je ne vous connais que trop bien. Vous êtes définie par ce besoin d'enfant qui vous hante. Mais voyez-vous, la loyauté biologique nous monte contre le reste du monde, alors que c'est l'amour de notre prochain qui devrait nous animer. Votre pauvreté est la preuve de cette perversion. Votre voix inspire le peuple, Grace. Je vous demande de rejoindre une famille plus nombreuse. Votre corps vous a fait défaut, mais grâce à notre famille, vous triompherez. De la pompe doivent être au fond. Juste une chose. Quand tu auras drainé l'eau du parc Dionysos, nous aurons très peu de temps pour te faire entrer. Je n'aurai bientôt plus d'oxygène, mais je tâcherai de tenir. Assure-toi d'être prêt avant de lancer la machine. C'est que t'es un vrai dur, mon gaillard. Prends sa clé, et utilise-la pour accéder aux commandes de la pompe.
Nous avons foi en l'enfant du salut, notre sauveur, notre vaisseau consacré, dont le sang de notre sang mêlé, le péché de notre péché mêlé, l'esprit de notre esprit mêlé, la vie de notre vie mêlée, nous permettra de jaillir hors des ténèbres, d'anéantir la tentation première, et de nous délivrer du mal, l'individualisme. Nous nous en remettons au nouveau et à l'inconnu, portés par notre force commune, et guidés par l'ambe, l'agneau de Dieu. Crois-tu que je sois un tyran, Delta, luttant pour prendre le contrôle d'un rêve qui prend l'eau? La ville n'est rien. Rapture doit mourir pour qu'Eleanor puisse naître de son corps. Regarde, je vais te montrer. L'ambe surcharge les pompes! Tout va s'écrouler! Rejoins le parc, Dionysos! Sujet Delta, je veux que tu te concentres et que tu fasses appel à tes souvenirs. Cette sensation permanente de course effrénée et dénuée de sens à travers l'obscurité, elle représente notre existence. Tire-toi de là, mon gars!
Regarde. Regarde ce monde que tu désires tant. Tu es seul parmi les morts.